Madame, monsieur, bonsoir, bonsoir et bienvenue à votre émission hebdomadaire « Nos amis les objets ». Et aujourd'hui, un objet particulièrement controversé, mesdames, vous êtes là, pardon, le collier de dentition. Alors, le collier de dentition pour, vous êtes là, pardon, pour, contre, évidemment, c'est, bon, coupez. Bon, les gars, franchement, qu'est-ce qui est... Je regarde là. Il y a tout qui est éclairé. Ça va, c'est bon, allez, casse-toi. Je regarde là, bon. Eh bien, décidez-vous. De toute façon, le collier d'ambre, hein, qui s'intéresse. De toute façon, tout le monde s'en fout, hein. L'ambre, si ça saurait, si ça soignait, hein, ça soirait. Tiens, moi, je te foutrai un bon litre de Saint-Ol dans le biberon, hein, je te garantis que le bébé, il ferait ses nuits, hein. Bon, ben, évidemment qu'on reprend, vas-y, allez, cale ta caméra, et puis... Tu pars. Je t'en foutrais n'importe quoi. Collier, connerie, oui. Autant y foutre des bracelets, des boucles d'oreilles, trois coignées. Les gens sont vraiment cons, hein, je te jure. Les gens qui nous regardent sont vraiment des cons. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à votre émission hebdomadaire « Nos amis les objets ». Alors aujourd'hui, un objet particulièrement controversé, mesdames, messieurs. Le collier de dentition. Alors... Pour, contre, peut... Bon, allez, coupez, ça va pas, là. Coupez. Bon, franchement, qu'est-ce que... Alex, c'est mon casse-toi. Non, mais franchement, tiens, oh, y a combien de caméras? Il y en a 15 ou quoi? Alors, c'est le cirque Pinder, c'est ça, en fait. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais le dynamisme, on y est bien, là, je te garantis, là. Sauf que là, tu m'as foutu une caméra pour tous les mots. Hein, j'anime pas une émission de télé, j'ai l'impression de regarder un match de Roland-Garros, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Évidemment. Ah oui, on reprend, qu'est-ce que je te dise? Moteur, oui. Salut. Oui. Bienvenue à nos amis les objets. Ça aussi, alors quel nom d'émission à la con. Non, quand même, coupe, parce que franchement, quoi? Qu'est-ce qu'elle veut, Picasso, avec son pinceau, là? Qu'est-ce qu'elle veut? Je suis maquillé, je suis noir, il n'y a plus besoin de maquiller. Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? Qu'est-ce que tu veux, des peintures de guerre? Tu m'as pris pour un sioux, c'est ça? Les gars, amenez-moi des plumes, on va faire une danse du vent, allez, on va faire une danse de la pluie, là, qu'est-ce qu'il y a? C'est que vous m'emmerdez avec votre collier dentition, plus personne n'y croit, personne... Mais attendez, moi quand j'ai eu les dents de sagesse, j'ai fait chier personne, mesdames, messieurs. Non, moi quand j'ai eu mal et que j'ai pleuré, la seule chose qu'on m'a amené, hein, c'est même pas un collier, c'est un seau de glace sur la gueule, et je peux dire que j'en ai chié. Oui, mesdames, messieurs. Ah, mais attendez, les gens sont tellement cons maintenant aussi. Maintenant, dès que t'as un bébé qui pleure, alors là, t'as les mères de famille, mon Dieu, mon bébé pleure, oh là là, c'est terrible, mais comment ça se fait? Je lui ai mis pourtant ce collier d'ambre, pourquoi il pleure? Pourquoi? Et pourquoi, ma foi? Renseigne-toi, regarde un petit peu plus. Ah, si tu t'en occuper un petit peu plus de ton gamin, tu verrais que s'il chiale depuis 3 heures, c'est pas parce qu'il a mal aux dents, c'est parce que sa couche, elle est pleine, connasse. Amène-moi un collier. Amène-le. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, tu sais ce que c'est, un collier de dentition? Non, tu sais pas ce que c'est. Non, attendez, il m'amène un vrai collier avec des vraies dents, le mec, hein. Hey, il est allé à sa pause, là, il est allé péter la gueule à 3 mètres dans la rue, à 3 ours dans la forêt, il se ramène avec un collier. Mais va au bout des choses, ramène carrément des dentiers au bout de ton collier, hein. Alors après, tu promènes ton gamin, hein, il va être tendance, hein, tu promènes ton gamin dans la rue, les gens, ils vont dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a autour du cou? Ben rien, hein, mon fils, il est cannibale, il a bouffé ses grands-parents, il se balade avec les dentiers en souvenir. Mais qu'est-ce que. Ben là, mesdames, messieurs, oui. Alors, moi, en plus, pour faire cette émission, en plus cette émission elle est regardée par combien? Par 3% de part de marché, voilà ce qu'on fait, 3% de part de marché, il n'y a personne qui la regarde, même Pierre Belmar, il n'en a pas voulu du dentier, du collier de dentition pour faire son télé-achat à l'époque, même lui. Alors le seul qui regarde cette bonne émission, le seul qui regarde, c'est le créateur du collier de dentition, sauf que là il est en pleine déprime, en pleine dépression, parce qu'il voit que personne n'en veut, tout le monde s'en fout, du coup il rentre chez lui en pleine dépression, il retrouve son gamin pour se détendre, sauf que son gamin il est en pleurs parce qu'il a mal aux dents, alors du coup le mec il lui fout un collier pour passer comme ça l'envie. Et il se dit, mais peut-être que si le gamin il meurt par étouffement, eh bien on va en parler de mon dentier, de mon collier de dentition. Oui, on va en parler de tout. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Je vais passer au JT, je vais devenir une vedette, et puis les ventes, elles vont décoller. Sauf qu'après, t'as la police qui se ramène, qui l'emmène comme ça, le mec par homicide volontaire sur son enfant. Et après, le mec, il va finir ses jours en prison, tout ça à cause d'un collier dont à la base, tout le monde s'en fout, mesdames, messieurs. Oui, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, sauf Pierre Belmar, parce qu'à cause
Parce qu'à cause de ce fait divers sordide, le mec maintenant il va pouvoir inventer une histoire fantastique qui va les raconter à la télévision devant des millions de téléspectateurs. Voilà, mesdames, messieurs. Caméra. Bon, mesdames, messieurs, la semaine prochaine, nous parlerons d'un autre objet très utile, le collier de nouilles. C'est aussi con à porter qu'un collier de dentition, mais c'est a priori moins dangereux. Bonne soirée.